Où étais-je passé ces 3 petites semaines? La réponse est dans le titre. Je me suis vu être hospitalisé, raison pour laquelle j'ai subitement disparu. Comment tu te sens sur 10? Attends, même à l'hôpital, je lâche pas ma caméra. Pas de panique, hein? Vous et moi, on se retrouve uniquement pendant ma phase de guérison, à savoir lors de mes derniers jours à l'hôpital. Vous allez me suivre dans ma petite routine qui s'est installée parce que bon, hein, j'ai quand même passé du temps là-bas, hein? Donc, Et encore heureux que j'ai ma caméra. Attends, moi je m'ennuie, hein? J'en profite également pour vous avertir que vous allez voir le plus moche mamé qui puisse exister entre son visage qui pèle. Oh mon Dieu! Une grisaille tous les jours. Des pellicules à n'en point finir dans les cheveux. Le visage du matin et surtout avec 14 kilos en moins. Je suis super laid. Enfin bref, j'en dis pas plus. Bon visionnage. C'est pas normal. Salut. Comment tu te sens sur 10? 6,5-7 quand même. Moralement ça va? Tu t'ennuies pas trop? Je vais te manger des bonbons. Il fait que faire ça. Il mange à moitié, là il mange à moitié, là il mange à moitié. Dans sa chambre, il n'y a que des moitiés. Hello. En fait c'est bien de la visite, hein. J'aime pas, donc je mange pas. Ah la journée elle est longue. Je fais ma salle de bain. Et où le bain? J'ai envie d'entreprendre, mais dans quoi? Je sais absolument pas. De quoi est-ce qu'on a besoin ici? I don't know. I don't worry. Yes, yes. Mais je viens de me commander une pizza parce que j'ai super faim. J'avais déjà commandé auparavant, il y a 2 jours, je m'étais pris un geladal. Un menu enfant en plus de ça. J'ai absolument rien mangé, si ce n'est la moitié du cheeseburger et encore la moitié. Je suis vraiment gentil. Parce que c'était pas bon en fait. C'est moi qui n'avais pas le goût. Ah, le livreur m'a dit qu'il est là dans 3 minutes. Je dois descendre jusqu'aux urgences. Je me suis commandé une de ces pizzas. J'ai trop hâte. Un peu ma chambre, j'ai déjà la vidéo YouTube que je dois regarder. Ça, on va dire, c'est mon plan de travail, slash ma table, slash mon bureau, slash. Vous avez capté? Je vais manger du bon truc. On installe ma table. Elle est belle la canette, je trouve. Waouh! Si je trouve que la pizza est pas bonne, c'est que le problème, c'est pas le goût du truc. Le problème, c'est moi. Allez, bon appétit à moi. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais je suis super moche. C'est quoi des flageolets? C'est même pas bon. Oh, c'est dégueulasse. Oh mon Dieu. Mais... C'est qu'est-ce qui est bien bon? Allô? Bonjour, vous allez être mis en relais. Vous voulez savoir c'est quoi au menu? Flageolets en salade. Boulettes, sarrasin, lentilles, sauce tomate. Les 3 petites là qui se battent. Je déteste les lentilles. Riz au beurre, yaourt brassé aux fruits. Je crois que c'est le truc le plus bon. En fait, je crois que c'est le truc le plus bon de mon plateau. Une crème dessert pralinée. Ok, c'est ça. Un petit pain. Crème dessert caramel là. Des protéines à la vanille ici. Je suis rentré d'Abidjan.
lundi 4 mars, le jour de mon anniversaire. Demain, je partirai travailler directement. Non, j'ai la flemme de vous expliquer en fait. Mais je sais pas. En gros, le jeudi 14 mars que je suis hospitalisé, j'ai eu énormément de symptômes. Là, maintenant, je me permets de vloguer parce que je sais que je suis sur la fin, que je vais pas tarder à rentrer chez moi. Sachez que j'étais très mal en point. C'est pour ça que du jour au lendemain, en fait, je suis parti. Parce que ma maladie, elle est venue petit à petit. Au début, j'avais un symptôme banal. J'avais juste mal à la tête et mal au dos. Je ne prends jamais de médicaments. Là, dites-vous, malgré le jeûne, bref, j'étais chez Gucci, j'ai dit, s'il vous plaît, donnez-moi un médicament, sinon ma tête a explosé. Quand je suis rentré chez moi, j'avais dit que j'avais super mal au dos, mais de nature, moi, je me suis dit, bon, peut-être parce que je suis grande de taille, je travaille, je suis debout toute la journée, et en plus de ça, il faut savoir que moi, je ne sais pas que je ne me tiens pas droit, mais je suis cambré. Et les gars, les jours qu'ils ont suivi, des malaises, des vomissements, je ne tiens pas debout, je ne sais pas marcher, bref. La totale, ça fait que je suis venu aux urgences et patati et patata. Et me voilà. J'ai fini de manger, j'ai pas du tout aimé, de toute façon comme d'habitude, on va pas changer. Donc là je vais aller me laver et après on avisera ce qu'on fera. Par contre je comprends pas pourquoi. Est-ce que regardez mon visage? C'est pas, je comprends pas, I don't know that. Et ouais les gars, la maladie là c'est pas des blagues. Est-ce que vous voyez comment j'ai la peau sur les os? En l'espace de quelques jours, j'ai perdu 14 kilos. Je sais pas si vous vous en rendez compte. C'est vraiment quand je regarde le clip que je le remarque en fait. Je me suis changé, je me suis habillé comme un mec de la civilisation normale. Ça fait 3 semaines que je ressemble à un fou. Par contre, honnêtement, je vous jure que je sais pas pourquoi je vlog. En fait, aujourd'hui, je me sentais vraiment de bonne humeur. Déjà, Dieu merci, ils m'ont retiré enfin le bâton là. J'ai plus à me balader avec le gros bâton là-bas. Attendez, je vous pose mon bras, il est fatigué. Je vais potentiellement sortir vendredi. Là, à l'heure où je vous parle, on est mercredi. Et la vie reprendra son cours. Et on a plein de choses à se dire d'ailleurs. Regardez qui est de retour. Alors, qu'est-ce que tu m'as ramené? Divine, elle m'a fait des pastels. Divine et moi, on est amis depuis très très de longues années. C'est la première fois qu'elle cuisine pour moi. Moi, si c'est ça, moi je tombe malade tous les jours. Tu prends un petit les pastels, alors c'est à quoi? Coton. Mais c'est quoi? Non, mais tu goûtes, s'il te plaît. Pourquoi c'est jaune? J'ai mis du. Non, du colorant alimentaire. Mais je trouve que ça fait plus joli. Ah, je sens un petit... du piment. Mais oui, un petit piment, mais attends. Les gars, en ce moment, je suis oasis tropical là. Je suis comme une mafanée. Du coup, là je vais dire à Divine les petits changements que j'ai envie de faire sur ma chaîne YouTube. Comme je t'ai dit, et voilà, j'ai fini de raconter ma vie à Divine. Enfin, ma vie. Mes changements. T'as supprimé beaucoup de vidéos quand même. Voilà, d'ailleurs, les gars, derrière mon bureau. Ah non mais c'est une blague. Il y a quoi? Non mais c'est grave. Il a fait son petit lit. Non mais c'est abusé quoi, d'être comme ça. Les gars, je vous jure. Hey, je parlais avec Divine. J'ai dit à Divine. Avant de parler, j'ai dit d'abord Divine, il est quelle heure? 10h11. Je te regarde dans quelques minutes. Et encore moi je pensais avant une vingtaine de minutes. Vous venez vous ramener le dîner jusqu'à demain. J'ai même pas fini ma phrase. Attends, quand. La dame arrive avec son petit plateau. Partage. Oui. Hein? Oh, menu. Un saumonette beurre capre, petite portion. Purée de pommes de terre, petite portion. Flan vanille. Ok. Salade de fruits frais. Petit pain en œuf au lait enrichi.
Fortimel compact protéines. Honnêtement, ce que je vais manger, déjà, si j'aime pas le saumon. C'est pas le saumon, c'est du poisson. C'est du saumon? Saumonette. Saumon sur saumonette. Bon appétit. Bon, bah bismillah. Mais tu vas devoir rattraper ton gène? Oui. Ah ouais? Oui. Mais t'es malade? Bah justement, quoi, je serais plus malade. Oh. Ça, si, ça avait été une firme à passe aussi. Hein. Et même quand t'as des règles, tu dois rattraper? Ça sera un film avec, moi j'ai une purée pas consistante. Franchement, ils sont irrespectueux. J'ai beaucoup de mots irrespectueux avec l'hôpital par rapport à la nourriture. Bon appétit. Merci. Bonjour. Le traitement, je vous le donne tout à l'heure ou pas? Ouais, tout à l'heure. Ok, je repasserai. Bon appétit. Non, je le prends tout. C'est quel poisson ça, divine? Il se coupe pas. Ah non, vas-y, je meurs. Il est last. Il y a un arrête. Je veux pas. Non, mais goûte. Non. Mais goûte, mamie. Tu es musulman, avec des petits, tu manges pas ça. C'est gratuit, ça, par contre. Une bonne petite salade de fruits, comme ceci. Maman, écoute. Bon, mamie. Bisous. Une fois de plus, les gars, ça m'a fait super plaisir. Par contre, là, je ne vous cache pas que je suis fatigué. Hier soir, j'ai galéré à dormir. Je me suis réveillé super tôt parce que ce matin, je devais faire une IRM. Donc là, je pense que je vais faire une sieste. En fait, je me suis rendu compte que la caméra, même si, malgré le fait que c'est vrai qu'elle a un problème, c'est juste que ma maison n'est pas très bien éclairée. Généralement, quand je fais un vlog en 3 heures, les gars, je suis à au moins une bonne dizaine, si ce n'est quinzaine de minutes. Les gars, hier, j'ai passé 3 heures à faire du montage. Je suis même pas à 3 minutes. On va commencer par prendre les bonnes habitudes, à savoir faire son lit. Du coup, on réfléchit un peu tous pareil. Ça sert à quoi de faire son lit alors qu'on va dormir le soir? Ça sert à quoi de laver ses habits alors qu'on sait qu'on va les ressalir? Voilà. Donc, vous nettoyez votre... Vous faites votre lit. Par contre, comment la dame, elle a baissé... Non, mais la dame de ce matin m'a trop énervé. Oh, comment elle m'a énervé. Subhanallah. Ah, s'il vous plaît, comment elle a baissé ma dame, wesh. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose, moi? Non, mais par contre, les gars, je veux dire, ça me choque. C'est parce que vous étiez pas là. Vous pouvez pas comprendre. Oh, j'ai renversé mon lait. Oh non. Je l'ai gaspillé. Moi, déjà, je mets tout dessus. Et encore, eux, c'est parce qu'ils m'en donnent deux. Sinon, je sais que j'allais en mettre trois.
faut que je m'habitue à boire de l'eau, beaucoup, beaucoup. Franchement, ici, j'ai bu beaucoup d'eau. Franchement, j'en ai bu beaucoup. Mais l'eau, elle est glacée. Quand j'étais malade, je buvais que de l'eau glacée, mais... Ouh là 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 là. J'ai tellement fait le tour de YouTube. Oh là 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 là. Quand je dis de faire le tour de YouTube, c'est pas spécialement moi, j'ai regardé des vidéos YouTube, hein. Mais je suis tombé, je pense, sur toutes les vidéos YouTube possibles et imaginables. Et mon conseil est toujours le même, il n'y a pas d'homme dessus. Les gars, je suis plus malade. C'est une dinguerie. Je voulais juste une semaine en arrière. Si tu m'avais donné du lait. Et en plus, moi, j'étais un forceur. Les gars, je pouvais boire le lait d'une traître comme ça. Je vous jure que 5 secondes qui suivent, tout le lait, il était là. C'est dans ça que je vomissais. Tout le lait, il était là. Vous savez pourquoi beaucoup n'aiment pas se lever tôt? J'en suis sûr, selon moi, c'est ça. C'est qu'on a tellement associé se lever tôt à faut aller au travail, faut aller à l'école, qu'on n'a pas envie. Alors que là, techniquement, vous voyez, je suis réveillé tôt, mais je dis, mais la journée, elle est super longue. Elle est 13h45, j'ai rien fait excepté du montage, du montage, du montage. Après ça, là, j'avais ma dose de montage un peu. Donc, j'ai commencé à faire depuis tout à l'heure, ça fait plus d'une heure que je suis en train de faire ma miniature. Regardez, s'il vous plaît. Je n'ai toujours pas fini. Pourtant, vous allez voir que la miniature va être tellement, mais tellement simple. Mais je sais pas, genre, il y a un truc qui fait que ça me plaît pas. Du coup, voilà. Là, je vais descendre parce que je viens de m'acheter les Skittles. Je sais pas pourquoi ici, c'est... Ça se trouve, on ne même pas, mais là, je suis dans mon era Skittles. Oh, bon, il est 14h23. Enfin, j'ai ma visio avec Jamila. En fait, à la base des bases, elle devait venir. Mais comme elle est tombée malade, elle voulait me rendre visite dans un premier temps. Et j'en ai profité. Je lui dis, Jamila, j'ai beaucoup de choses à dire aussi vis-à-vis de mon YouTube là. Parce que j'ai envie de changement. J'ai envie de, je sais pas, mais j'ai envie de changement en fait. Et dites-vous que j'ai même pas terminé ma miniature. Ils ont plus de Skittles. Oh my god. Ils n'ont plus de Skittles. Update les gars, je suis revenu. Ça va? Moi ça va. Moi c'est ça. J'ai envie de me réinventer. Soit aujourd'hui, soit demain, c'est comme vous le sentez. Fait comme ça. Ouais. Moi, service égal complet. D'accord. Pas de soucis. Merci voilà. Beaucoup. Merci. Je vous en prie. 68. C'est bon ? 5. Ouais. Ça marche. J'ai pris 5 kilos, j'ai perdu 14 kilos, mais là j'ai pris 15 kilos. 5. Quand j'étais arrivé, je pense que je faisais 70. Après j'ai perdu, je suis arrivé de descendre à 63. Là on a dit quoi déjà? 68,5. C'est ça. Oh ça va. Oui ça va. Ça va, c'est bien. Pour c'est combien petite... 92. Ah. Quand même. Ouais quand même. Là j'ai vu mon frère par la fenêtre, j'ai coupé l'appel avec Jamila. Franchement,
Ah, c'est un appel qui m'a fait vraiment du bien. Je sais que tu as passé par là, j'avais là, c'était ouh, très, trop d'art. Genre là, je me sens, je suis repimpé là. Putain, t'es vraiment l'agence que tu pensais, Jamila, sache-le. Aujourd'hui, c'est la sortie, nègre. Yeah, on s'en parle, nègre, on s'en parle, nègre. Donc, ouais, il est 10h35, je suis toujours au lit. Mais je vais me lever. Je voulais voir avec vous. Vu que là, bah, c'est pas en une semaine que vous avez récupéré vos kilos, hein, ça c'est sûr. Ça va être en plusieurs mois que vous allez récupérer. Ouais. C'est très long. Est-ce que du coup. Tiens, on a le même appareil photo, je crois. Ah, presque. Vous êtes fan de nos photos? C'est ça, en plus de la vidéo. Ah, plus la vidéo. C'est okay, ça. Ça marche. Je voulais savoir si je vous fais prescrire les compléments nutritionnels pour le retour à la maison. Les petits jus là? Ouais. Est-ce que juste c'est possible de choisir le goût? Ah bah à la pharmacie, oui, après vous choisirez le goût. Mais je vous conseille quand même fortement parce que vous allez prendre du temps à récupérer votre poids de forme. Hein. C'est ça. Donc, bah c'est sûr, le fait de sortir, déjà, vous allez pouvoir remarcher, refaire un peu d'activité, des choses comme ça. Ouais. Donc ça va permettre de reprendre un peu. Mais c'est long. C'est très facile de perdre et de reprendre. C'est ouais, c'est donc, ok, je vais vous faire prescrire ça. Je me fais prescrire, du coup, vous, votre docteur référent, c'est qui? C'est docteur... Ici? Ouais. Ou c'est monsieur... Je trouve un docteur. Pas de soucis. Merci. Les gars, c'est dégueulasse. Et c'est produit alimentaire, là. D'ailleurs, je le prends pas pour moi, hein. Je le prends pour mon grand frère. Parce que vous voyez, les mecs de la salle, là, qui veulent grossir. Sinon, j'ai fait, mais qu'est-ce que je peux choisir? Parce qu'en fait, elle m'a embrouillé un jour, parce que je l'ai mangé le début, et encore les gars. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que je peux zoomer? Vous voyez là, là? J'ai envie de dire, il y en a trois. Attendez, je vais cacher dans le canal. Faut pas qu'elle voit. C'est la honte. Oula. Voilà. Coucou les gars, du coup là ça y est, je suis prêt, j'ai mangé mes affaires, je me suis bien lavé, etc. etc. Donc j'attends juste qu'on vienne me récupérer. Je me suis réellement posé et j'ai pas réellement parlé. Je vais pas faire le mec, honnêtement, oui, mon hospitalisation m'a changé, quelqu'un, ce serait vous mentir. Juste, par contre, ce qui est vrai, c'est que moi j'avais que j'avais rien à faire, j'ai commencé à utiliser ma caméra hier. 3-4 jours, alors que comme je dis les gars, tout ça, ça dure 3 semaines, bientôt, ouais, ça, tout ça, ça fait 3 semaines, donc en 3 semaines, malgré le fait que j'ai énormément dormi, bah, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup, bref, moi, de toute façon, déjà, même en temps normal, je le fais, alors, si j'ai pas le choix, si je dois faire que ça, bah, vraiment que je vais le faire, et c'est là où j'ai pris conscience. Non, en fait, j'ai l'impression que tout le temps je prends conscience, j'ai l'impression que tout le temps je me rends compte, tout le temps j'en ai marre. C'est pour ça que des fois même j'évite d'en parler parce que par peur d'être pas crédible. Mais en tout cas, je sais que, parce que j'ai pas envie de, que ce soit redondant, mais j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai pris conscience de beaucoup de choses qu'au fond, moi je savais. Mais vous voyez, on est tous des êtres humains, on préfère, vas-y. Genre tout ce qui m'est arrivé, parce que bien évidemment, tout, on peut pas tout dire sur YouTube. Mais je regrette absolument pas. Si c'était à recommencer, bon, je le recommencerais parce que au début, peut-être à la fin, mais le début là c'était compliqué. Mais je fais vraiment pas les choses pour rien. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Eh ben, mais c'est sérieux! En gros, je vous jure, parce que les preuves qu'il m'a donné, traitement à suivre, là j'ai des médicaments pendant quelques temps, etc. Je vois le rêve, je vois en fait, je vois le côté positif. Je vous jure, justement, déjà que je suis une personne très positive de nature, mais là, j'apprends à l'être encore plus. Parce que j'aurais pu. Oh mon Dieu! Et toi aussi, il fallait que tu t'attends. Tout ça pour vous dire que, bah, une fois de plus, il y a encore du changement dans ma vie. Je ne vais pas vous dire tout ce qui se passe pour le moment. Je ne sais pas encore. On verra.
j'espère juste retrouver mes kilos parce que... Du coup voilà, donc là bah, en attendant mon frère, je vais faire du montage. J'y vais pas pour déperfuser. Ah, bah enfin. Retirer ta perfusion. Là, je fais les petits adieux de mon appartement à la chambre d'hôtel. Ah là. Je me suis habitué. Je me suis dit, qu'est-ce qui est grand cette depuis. Non, attends. Tu fais encore des cupcakes? Enfin, des. Des cupcakes, ouais, je vais en faire. Qu'est-ce que t'es doué, ta parole? Ah, bah ouais. Ça te fait une mutilation aussi. Heureusement, j'ai pas trop de poils. Hein. Non, mais c'est que trop de poils, il faut comment? Ah, bah ça, il est pile. On va essayer de tirer la peau comme ça. C'est pas normal. Ça tire. Je supporte pas la douleur. Alors, moi, c'est pour ça que m'ont fait la poux sur mon beurre, là, ils ont souffert. Hein. Pour son beurre, c'est chaud. Sachant qu'en plus ils m'ont piqué trois fois. Ouais. Et juste que ça fait, on m'a piqué trois fois pour la ponction lombaire aussi. Enfin pour la péridurale. Mais du coup je comprends, c'est ça, je comprends pas. Là monsieur, appuie. Tu es capable de faire ça au moins. Oui. Enfin je vais pouvoir laver cette partie de mon corps. Fini, viens chercher ta mère. Non, je pense que c'est mon frère. Ouais, regarde dans 5 minutes. Vas-y. Et ben vous voyez, les gars, c'est mon infirmière. C'est trop mago. Et le dessin, il a fait que bah, vous voyez Leslie. Si jamais vous voyez pas Leslie, c'est une de mes amies. La cousine de Leslie que je connais aussi, et bah, c'est sa meilleure amie. Ça fait que la dernière fois, Leslie, elle était chez elle avec sa cousine, et sa cousine elle était en festival avec elle. Et ils parlaient de leur truc. Ouais, je suis en... Bref, elle dit ah, mais d'ailleurs, j'ai un ami qui est hospitalisé. Et il faut savoir que bah, je suis dans son service. Du coup, voilà. Ça fait qu'on se connaît. Et en plus, je lui avais fait un flyer. Parce qu'elle fait des cupcakes, des gâteaux, etc. Et je lui avais fait un flyer il y a 2 ans, je crois. Le monde, il est petit, hein. Je vous jure, les gars, c'est tellement un amour, cette dame. Justement, carrément, tout à l'heure, elle est venue me parler. Ça m'a fait trop plaisir. Elle m'a dit, eh, mais tout ça, là, c'est qu'une épreuve de Dieu. Tout ça, nanana, elle m'a raconté son histoire. Parce que, bon, je suis pas là pour venir raconter la vie des gens, mais... Yeah! Les gars, Dieu, il éprouve des gens. Waouh! Là, je revois le fil de mon évolution. En fait, je revois dès le début de la maladie jusqu'à aujourd'hui. Et je vous jure que surtout les moments où je vomissais et où j'avais pas de goût, j'avais l'impression que ça allait durer une éternité. Et le fait qu'aussi, parce que moi, comme je vous ai dit, je suis une personne, je m'attache vite. Le fait que mes infirmières, elles l'ont vu, ça me touche. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Moi, je suis très touché pour rien. Je suis très touché, je suis très bref. En gros, par exemple, ça me fait plaisir. Et puis, comme le cas me faisait, en gros, les gars. Deux premières semaines de mes hospitalisations, là, de mes allers-retours aux urgences, etc., je faisais que de dormir, je refusais de manger, je faisais que de vomir, je ne pouvais pas marcher, j'étais toujours allongé. On est sur le départ? Ouais. Non. Si. Vous voulez un thé? Vous n'avez pas du lait? Un lait froid? Oui. Oui. Avec du sucre, s'il vous plaît. Ah, go, go, encore une fois. Du coup, on a été coupé, mais pour vous dire, par exemple, même mes volets, toute la journée je laissais mes volets fermés. Et le matin, quand on venait ouvrir mes volets, je me levais, je les fermais, je retournais dormir. Et je restais dans mon lit. Genre, moi, toute ma journée, je le passais dans mon lit. C'est que maintenant, vas-y, j'ai pris la décision de m'asseoir sur la chaise pour faire mes trucs de nanani, de nanana. Sinon, j'étais que sur mon lit. Et ça, le fait que. Par exemple, les infirmières, maintenant, quand elles me voient, elles disent « Ah bah !» Déjà, le fait qu'elles voient qu'ici, c'est illuminé, c'est « Waouh !» Parce que j'étais là, chambre de l'étage, qui était toujours noire de 1. Et à chaque fois, par exemple, quand je suis là, je me dis « Mais je t'imaginais pas plus grand. Ça fait plaisir de pouvoir sourire. Ça fait plaisir de... » Parce qu'à chaque fois qu'elles me parlaient, je parlais, les gars, même pour parler, je chuchotais. Je ne pouvais plus parler pour vous dire, en fait, les... De toute façon, vous connaissez votre gars, il y a le storytelling qui arrive, mais « Eh !» En tout cas, franchement, si j'en tire une leçon... Une fois de plus, la seule leçon que j'en tire, c'est vraiment de me rapprocher de Dieu en vrai de vrai. Je vous jure. Et c'est là où je me rends compte que Shaitan est tellement fort. Et après, bien évidemment, là, le deuxième truc que j'ai retenu, c'est parce que, certes, je suis malade, mais eux-mêmes me l'ont dit que je suis très, 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 très épuisé. Il faut que je me repose. Pas du tout. Alors là, pas du tout, 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 pas du tout. Fait que ouais les gars, je suis très très épuisé. Gucci, je crois je peux, je veux plus. Gucci, je peux plus.
Je kiffe et tout. Ça fait super méga bien, mais c'est trop trop loin de chez moi. Franchement, je vous jure que quand je dis je peux plus, je peux tenir. Si je veux demain, je peux me retourner chez Gucci, mais pour moi-même, pour ma santé mentale, parce que logiquement, ça joue sur beaucoup de choses, même dans mon truc familial, etc. Donc mieux vaut que je laisse Gucci. Logiquement, qui dit sortir de l'hôpital, ça veut dire que je retourne à la vie que j'ai laissée dehors. Donc on va aller consulter ma messagerie ensemble. Mercredi 13 mars à 13h58. Bonjour ma mère, c'est l'agent. Je vous informe que vous n'êtes pas en mission. Vous deviez vous présenter aujourd'hui de 6h à 18h pour pallier à vos absences que vous faites manifestement à la carte sans prévenir l'agence. Vous dites off du coup jeudi, vendredi, mais ça c'était dans votre idéal. Nous on ne sait pas ce que vous faites, on ne sait pas si vous êtes en mission ou non. Les plannings, évidemment, je le répète, ne sont pas à la carte. Merci de revenir vers nous rapidement parce que sinon on va vous arrêter sur l'émission. Bonne journée, au revoir. Pour écouter. Non, mais je rêve. Les gars, l'intérim là. L'intérim, non, mais MDR. Je vous jure, il y a une story time qui arrive de toute façon. Parce que l'un, eux là. Pourquoi j'ai pas écouté ce mail? Parce qu'on s'est déjà eu au téléphone et justement on s'est embrouillé. Mais pourquoi j'ai pas écouté ce mot? Et Allahu Akbar. Tranquille, frère, on se calme. Non, mais je vous jure, les gars, le message de Gucci, non, c'est pas Gucci, c'est l'intérim. Et Allah. Bon, les gars, c'est l'heure de partir. Adieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bien maintenant, on se ressource comme il se doit avant de réellement se reposer comme il m'a été recommandé. Je remercie Allah, ma famille ainsi que mes amis qui ont été présents de près ou de loin pendant cette épreuve. Si tu es arrivé jusque là, je te remercie également. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Pour ma part, je vous souhaite de prendre soin de vous. J'en ferai de même et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye! De précision, je suis principalement à Dieppe car ma meilleure amie donnait sa vie à Jésus-Christ. Et pour tout le bien qu'elle a fait pour moi, je me devais, malgré le fait que je sois extrêmement faible, je me devais d'être présent pour cet événement-là. Bienvenue dans ta nouvelle vie, ma sœur. Je te souhaite que du bonheur. Bisous.